Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, le thème est nouveau regard sur l'histoire gabonaise. Alors, nous avons jugé nécessaire de faire une nouvelle vidéo sur ce sujet. Tout simplement, c'était personnellement à la fin de la vidéo que j'ai faite sur la Guadeloupe et nous par rapport à ce qui se passait en Guadeloupe récemment. Je vous le dis tout net. J'étais content d'avoir pu faire cette contribution, puis tout d'un coup, je me suis mis à angoisser. Je me suis dit, mince, mais il faudrait quand même que je parle aussi du Gabon, parce que c'est nécessaire, c'est important. J'ai passé certaines années de ma vie au Gabon, je suis aussi d'origine gabonaise, et donc je me suis dit, non, il faut faire aussi une vidéo. Alors la problématique est toujours la même. Je pars du principe que rien n'est isolé, tout se tient, tout est lié, tout est interdépendant. Et donc, évidemment, pour moi, ça n'a aucun intérêt de faire une vidéo sur l'histoire gabonaise en étudiant le Gabon comme si c'était une île au large de l'océan Atlantique et en faisant fi du lien qu'il pourrait y avoir avec la zone géographique dont il fait partie, évidemment. Alors aujourd'hui, ça tombe bien parce qu'il y a une actualité qui permet à notre équipe de nous intéresser effectivement, en fait, de faire un lien entre l'histoire gabonaise et l'histoire immédiate. Je m'explique. En ce moment, vous avez remarqué que le Mali essaie de s'émanciper de la tutelle française avec une volonté clairement affichée de revoir peut-être les accords de défense et puis aussi de voler de ses propres ailes et justement de restituer le pouvoir au peuple malien, pouvoir qui avait été confisqué de longue date. Tout ça suscite des interrogations, une passion de part et d'autre. Voilà. Maintenant, il s'agit pour chaque pays africain de voir à travers l'histoire de chaque État qu'est-ce que cette nouvelle donne peut apporter et comment, d'un point de vue historique, on peut essayer de comprendre les choses avec un peu plus de recul. Pour ce qui est justement du Gabon, effectivement, le Gabon, il faut le dire tout net, apparaît comme le laboratoire parfait de la France-Afrique, il faut le dire. Donc depuis les travaux qui avaient été initiés par le journaliste français Pierre Péan, par l'activiste François-Xavier Verschave, sur le thème du néocolonialisme de la France-Afrique, avec notamment le régime Bongo, le bongoïsme en fait. Bongo était l'homme lige de la France-Afrique, en Afrique centrale et même plus loin en Afrique, puisque il semblait avoir un rôle diplomatique de premier plan dans des crises tchadiennes, on l'a vu par le passé, et bien sûr le Gabon aussi, c'est un pays où en fait qui joue un rôle même jusque dans les campagnes, dans les campagnes françaises électorales, avec le financement des partis, donc ça c'est connu par tout le monde. Maintenant, la problématique, c'est que ce qui faisait en sorte que les gens s'interrogeaient énormément et étaient fascinés par cette place du Gabon dans les relations internationales, c'était aussi le fait que le Gabon apparaissait comme un havre de paix dans une Afrique centrale qui était parfois secouée par des conflits fratricides. On l'a vu dans les nombreuses guerres du Tchad qui ont eu lieu. On l'a vu aussi dans les conflits sanglants en Centrafrique, mais aussi au Congo-Brazzaville et dans toute cette sous-région. Et donc le Gabon apparaissait comme un havre de paix et de développement. Et de ce point de vue, on peut dire que le Gabon jouait exactement le même rôle que la Côte d'Ivoire à l'époque de Fouad Boigny. Et donc Fouad Boigny et Omar Bongo étant les deux autoproclamés sages du système France-Africain, aussi bien sur le plan du poids économique de ces deux pays que de la personnalité des leaders qui étaient liés d'une façon ou d'une autre avec la France elle aussi.
Et donc, ce qui court-circuitait évidemment les volontés d'émancipation des voisins. Et on l'a vu notamment avec le rôle du Fouad Boigny dans le sabotage de l'expérience de Sankara, révolutionnaire de Sankara au Burkina Faso. Tout cela est passionnant. Maintenant, pour ce qui concerne le Gabon, il se serait bien de se pencher sur une histoire un peu plus ancienne du Gabon pour comprendre comment on en est arrivé là, quelles sont les différentes perspectives qui peuvent exister pour l'avenir, et est-ce que ce qui se passe actuellement au Mali pourrait advenir au Gabon? Bah, déjà, au départ, nous savons qu'en 1964, 4 ans après les indépendances factuelles, il y eut un coup d'État pour renverser le régime dictatorial de Léomba au Gabon. C'était en février 1964. Les militaires eurent une approche sensiblement différente de celle du Mali, puisque très tôt ils s'empressèrent de remettre le pouvoir aux civils. Ça, c'était le 17 ou 18 février, et puis très rapidement, le 19, puis le 20 février, il y a eu l'intervention militaire donc approuvée et souhaitée par De Gaulle, qui était à ce moment-là au pouvoir en France, pour remettre en selle Léomba et briser dans l'œuf cette rébellion. Effectivement, ensuite, le tour de vis, il a été bel et bien pris. Et puis, en 1967, Léomba est décédé et c'est son ex-directeur de cabinet devenu vice-président avec une sorte de petit artifice constitutionnel pour changer provisoirement la constitution et de façon à ce que Omar Bongo puisse succéder à Léomba. Et Omar Bongo s'est révélé tout à fait excellent dans l'art de la manipulation politique. Du clientélisme devenant un poids lourd de l'Afrique centrale, mais bien sûr avec la bénédiction de la France, même si la marionnette, comme le dit si bien Pierre Péan dans son livre Affaires africaines, a pu plus ou moins s'émanciper de la tutelle française avec ce fameux clan des Gabonais, où on retrouvait aussi bien des Français que des Gabonais, des gens des milieux militaires, des milieux de l'espionnage. Enfin, des milieux, des services secrets, et puis de la toute-puissance de Elf, etc. Mais bien sûr, si on veut se pencher sur l'histoire du Gabon, il est important de se pencher sur l'histoire des Gabonais, et évidemment, l'histoire des ancêtres des Gabonais commence bien avant l'histoire du Gabon telle que nous le connaissons, au point de vue territorial, au point de vue de cette entité juridique et nationale. Parce qu'il y a tout un tas de peuples qui composent la population gabonaise, qui est à la fois diverse et qui participent d'un même paradigme culturel, mais avec bien sûr toute cette diversité que l'on trouve en Afrique. Le peuple gabonais est un peuple très divers. Bien sûr, sur le plan linguistique, ce qu'on ignore parfois, c'est que la plupart des langues du Gabon sont cousines, comme toutes ces langues d'Afrique centrale ou d'Afrique, et que, effectivement, ce qui fait dire à certains anthropologues qu'il existe une parenté des Gabonais qui serait une parenté clanique, en se basant notamment sur les totems. Et que parenté totémique, non pas clanique, mais parenté totémique, ce qui fait en sorte que même des gens, de ce point de vue culturel, appartenant à des ethnies sur le papier différentes, peuvent avoir une sorte de parenté par rapport à cette parenté totémique. Donc c'est beaucoup plus complexe qu'on ne le croit. Les forces qui pourraient faire en sorte que la société gabonaise éclate en cas de véritable démocratie, cette analyse n'est pas forcément valide dans la mesure où il y a des sagesses traditionnelles qui permettent le vivre ensemble et que la dictature ne doit pas être quelque chose qui empêche la cocotte minute d'éclater, sous prétexte que chaque ethnie voudrait récupérer le pouvoir pour elle-même. Et de ce point de vue, effectivement, le savant dosage, qu'on a appelé la géopolitique au Gabon consistant à faire en sorte que certains postes soient réservés à telle ou telle personne, comme par exemple
le poste de premier ministre qui est réservé traditionnellement au fond de l'estuaire, etc. La géopolitique, en fait, de façon à ce que l'ensemble des ethnies soient représentées. Les ethnies, en fait, il faut démystifier tous ces mots d'origine coloniale. Des ethnies, ce sont des nationalités traditionnelles, tout simplement. Et donc, les peuples et les ancêtres des peuples, des populations gabonaises existaient bien avant, mais n'occupaient pas forcément l'espace reconnu comme étant le Gabon aujourd'hui. On peut dire, sans crainte de se tromper, que les premiers autochtones du Gabon sont les Baka, qui sont des Africains de courte stature, qui vivent dans la forêt avec un respect intégral de leur environnement, voilà, en harmonie avec leur milieu naturel. Et de ce point de vue, j'y reviendrai sans doute à la fin de cette vidéo, nous avons beaucoup à apprendre des Baka par la façon dont ils arrivent à vivre en harmonie avec l'écosystème, avec leur écosystème. Autre chose importante, on ne peut pas comprendre l'histoire du Gabon si on ne fait pas une analyse poussée de la nature que le Gabon, des relations entre le Gabon et la France, mais d'abord avant tout, qui sont les Français? Qu'est-ce que la France? Et qu'est-ce que la France a apporté dans l'espace géographique, économique, etc. Il faut savoir que en nous penchant plus sur la culture française, nous constatons que c'est le rixtoula qui prévaut encore aujourd'hui en France. Alors excusez-moi d'utiliser ce mot un peu barbare, le rixtoula. Le rixtoula, c'est le système des castes injustes. C'est le système des castes injustes qu'on trouve dans toutes les sociétés, européennes et eurasiatiques, je dirais. Et donc, le rixtoula, c'est un mot qui vient de l'ancien islandais. Et ça vient de l'Edda poétique. Et c'est l'histoire du dieu Rig qui a trois fils, Jarl, Karl et Trael. À Jarl va échoir la royauté. Karl va s'occuper, c'est le chevalier, il va s'occuper du maintien de l'ordre et c'est l'aspect militaire et répressif. Et Trael fait le sale boulot, en fait. Et donc, c'est pour ça qu'il est dit dans ces textes anciens de l'ancien islandais que Trael est noir de peau. Et donc, il peut être qualifié de nègre, mais ça ne veut pas dire qu'il est d'origine africaine. Il a la peau noire, mais il n'est pas noir de peau, donc il n'est pas africain. Mais c'est lui qui fait le sale boulot, en fait. Et donc on pourrait dire aujourd'hui, en parlant de la France moderne, que les descendants de Traël, ce sont les gilets jaunes, qui, à un certain moment de l'histoire récente de la France, il y a 2 ans encore, ou 2 ans et demi, qui prenaient possession des Champs-Élysées, et qui était sévèrement réprimé par les forces de l'ordre. Les descendants d'Israël, c'est aussi les mineurs dans les livres de Zola, par exemple dans Germinal, ce sont les misérables, en fait. Et à partir de 1454, à partir de la mise en servitude globalisée des Africains dans le système esclavagiste européen, les Africains, qu'on appelait autrefois en Europe les Maures, ont été appelés progressivement Noirs. Ça veut dire que les Noirs eurasiatiques ont été remplacés par les Africains, les Bakongo, les Mandingues, etc., mis en esclavage, qui sont des Africains qui ont été traélisés. Et on les a appelés nègres, et on a l'impression aujourd'hui que la répartition du travail au sein sur toute la planète est en fonction d'un code couleur qui a quelque chose à voir avec la couleur de peau des gens.
mais c'est une agression racialiste qui s'est greffée sur un système des castes eurasiatiques qui existait déjà aussi bien dans l'ancienne Europe, la France, le nord de l'Europe, donc la société germanique, mais aussi la Chine de l'ethnie Han, et jusque dans le monde sémitique, y compris chez les Arabes, etc. Et dans le monde de la Bible aussi. Donc, parce que dans le monde de la Bible, on nous parle aussi de l'esclavage. Donc ça fonctionne toujours par trois. Quel rapport avec le Gabon, vous allez me dire? Ben si, il y a un rapport avec le Gabon. C'est que le Gabon a été colonisé par la France. Et ce système des castes injustes, on l'a appliqué à la société gabonaise. Et c'est pour ça que des gens comme Omar Bongo ou la famille des Bongo, ils ont l'impression d'être des Carles. Non, non pas des Carles, pardon, des Jarles. Ils ont l'impression d'être des seigneurs. Et si on fait un parallèle avec la France aujourd'hui, d'aujourd'hui qui est une véritable dictature, bah, c'est pas pour rien qu'un personnage comme Emmanuel Macron, en parlant d'une bonne partie des Français, dit qu'il s'agit de gens qui ne sont rien. Et je pense que la famille Bongo pense que la plupart des Gabonais, ce sont des gens qui ne sont rien. Donc nous voyons bien là que nous avons affaire au même système des castes injustes que celui qui prévaut en Europe, en Eurasie, etc., jusqu'en Chine. D'ailleurs, le modèle que l'on veut appliquer à la Terre entière actuellement, c'est le modèle de l'État chinois actuel. Hein. Et même la France s'en inspire. Avec ce contrôle social, ce système de points qui rappelle un petit peu le système du permis à points, du permis de conduire, en fonction du comportement du conducteur, on va lui retirer des points, etc. Et il sera à chaque fois obligé de faire des concessions pour montrer qu'il respecte les règles du jeu. Alors c'est tout à fait normal sur le plan de la conduite automobile, parce que une automobile dans les mains d'un chauffard, ça peut être une arme très dangereuse. Mais maintenant, si on applique cette notion de points à toutes les étapes de la vie civile, de la vie civique, par contre, là, effectivement, on a affaire à un contrôle social redoutable, contrôle social auquel nous assistons aujourd'hui, notamment dans la sphère médicale. Et donc, on pourrait dire que de ce point de vue, la médecine, c'est la poursuite de la guerre par d'autres moyens. On disait ça autrefois de la politique. Aujourd'hui, on peut dire la même chose de la médecine, en tout cas de la médecine moderne, dite moderne. Revenons au Gabon. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que grâce à Internet, grâce aussi au fait qu'il y a un renouvellement des générations, ben les nouvelles générations d'Africains aujourd'hui ne sont pas celles qu'elles étaient auparavant. Et d'ailleurs, nous rendons hommage à nos ancêtres, puisque partout en Afrique, les ancêtres ont lutté. Ben déjà, si vous connaissez le livre de Nicolas Metegena, La pénétration coloniale au Gabon, résistance d'un peuple, publié dans les années 80 chez l'Harmattan, vous constatez que les ancêtres des Gabonais ont vendu chèrement leur peau pour empêcher le contrôle total de l'espace qu'on appelle aujourd'hui Gabon par les Européens, par la France, et ils se sont battus de façon tout à fait héroïque, même s'ils ne disposaient pas toujours d'armes suffisamment efficaces. Ils avaient des vieux fusils et leur lutte était très locale, mais à chaque fois, ils ont vendu chèrement leur peau. Donc, comme le dit si bien le poète Akeninge, tout peuple est considérable et ça vaut aussi pour le Gabon. Alors, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que nous avons hérité d'institutions qui sont des institutions au bénéfice essentiel de la France, comme le franc CFA, comme l'organisation de la vie politique. La vie politique avec les échéances électorales qui reviennent constamment sont en fait des opérations de divertissement. On le voit aujourd'hui en France, puisque une bonne partie des élites étant tout à fait corrompues, certains opposants font en fait de la figuration.
Je ne dirais pas que c'est le cas aussi au Gabon. Ce que je veux dire simplement, c'est que souvent les décisions sont prises en amont de la sphère politique. Je parle de politique politicienne. Et en fait, les politiques ne font qu'appliquer un agenda. Le peuple crédule se rend aux échéances électorales en espérant un changement. Et à chaque fois, il est frustré, car même lorsque sa victoire, la victoire du changement est avérée, ce n'est pas possible. Et sachant que le Gabon, comme beaucoup d'autres pays africains, n'est pas un pays indépendant, nous le savons. Déjà, le franc CFA, la souveraineté monétaire, c'est quelque chose d'essentiel. Mais tout à l'heure, je disais au début de cette vidéo que pour comprendre l'histoire du Gabon, il faut aussi comprendre l'histoire de la sous-région. Le Gabon se trouve, comme vous le savez, jouxte le Cameroun. Le Cameroun qui est un État beaucoup plus peuplé. Il faut savoir que tout à l'heure je parlais de la rébellion des officiers gabonais en 1964. Ils ont essayé de renverser la dictature de Léon Ba. Ils n'ont pas réussi puisqu'il y a eu cette intervention militaire téléguidée par De Gaulle, intervention militaire française. Mais au Cameroun voisin, de 1948 ou 1947 à 1970, il y a eu la rébellion de l'Union des populations du Cameroun. Il faut savoir que le Gabon, comme le Cameroun, sont des pays particulièrement riches au niveau de leur sous-sol, etc. Et que dans le dispositif français, il était important qu'un pays comme le Cameroun puisse servir de zone de repli au cas où, ça c'est une leçon que les autorités françaises ont tiré de leur défaite et de l'occupation allemande pendant la Deuxième Guerre mondiale et de la guerre de libération qui s'en est suivie, c'est qu'il fallait. La question d'avoir un sanctuaire en Afrique était importante. Et si la France a pu peser lourd dans les négociations internationales après la victoire des Alliés contre l'Allemagne nazie, c'est parce que la France n'avait pas perdu son empire africain. Mais encore une fois, il fallait que des pays comme le Cameroun puissent jouer un rôle important et servir éventuellement de zone de peuplement en cas de repli si la France était à nouveau envahie. Donc il y a toute une prospective qui a été faite à ce niveau-là, au niveau des spécialistes, des économistes, des gens issus aussi bien des milieux militaires que civils pour organiser tout cela. Et ce n'était pas si facile puisque le Cameroun était en fait un protectorat et il n'avait pas du tout le même statut juridique que le Gabon. Mais face à cela, il y avait l'UPC, l'Union des populations du Cameroun, de Robben Mugnobé, de Francis Moumié ou d'Ernest Ouandié. Et effectivement, la France, est intervenu militairement pour empêcher cette indépendance réelle du Cameroun. L'écrivain Mungo Betti a beaucoup popularisé cette idée et cette grande geste héroïque de Robben Mugnobé dans son livre Remember Robben. Et donc, il fallait, à mon avis, que la France ait un pays sûr à la frontière, près du Cameroun, de façon à empêcher la résurgence du sentiment national dans un pays comme le Cameroun qui aurait pu contaminer en fait les autres pays de la sous-région d'Afrique centrale. Et ce pays sûr, évidemment, à mon avis, ça a été le Gabon, ce qui explique la présence de troupes militaires françaises en permanence au Gabon. Et ce qui explique aussi l'ingénierie sociale qui a été faite au niveau des populations gabonaises, puisque pour qu'elles puissent accepter cette domination française comme une fatalité en quelque sorte. C'est pour ça que si nous voulons nous prendre une forme d'émancipation intellectuelle, il est incontestable que nous devons faire du livre de. En ténor firmin de l'égalité des races humaines, notre livre de chevet,
je ne dirais pas notre Bible, parce que c'est une façon de parler qui est un peu facile, mais on peut parler comme ça aussi. Donc je pense bien sûr qu'il y a une ingénierie sociale qui a été faite au niveau des Gabonais, de façon à les rendre dociles par l'éducation, par l'école de Jules Ferry, l'action des églises aussi, puisque dans le processus colonial et néocolonial, les églises chrétiennes peuvent prêcher un évangile de la soumission, même s'il existe par ailleurs dans le monde aussi ce qu'on appelle la théologie de la libération, et que de ce point de vue, bien sûr, il n'y a pas de fatalité. Le christianisme n'est pas forcément synonyme de soumission. On l'a vu dans nombreux pays du monde, des États-Unis de Martin Luther King, à la révolution bolivarienne, donc au Venezuela avec Hugo Chavez. Donc bien sûr, et dans une moindre mesure aussi au Cameroun avec donc le père Angel Bern Wang, qui était un adepte et un adepte tout à fait éminent de cette théologie de la libération chez les catholiques en tout cas. Et donc le Gabon, c'est aussi donc un espace de sagesse avec tous les cercles initiatiques très pointus que nous trouvons chez les différentes populations du Gabon, donc du Bouiti au Ndjobi, en passant par la secte initiatique des femmes chez les Miénés, chez d'autres populations, qu'est le Ndjembé. Donc, ce qui fait dire à certains que de ce point de vue, le Gabon, c'est carrément le Tibet de l'Afrique. Alors, bon, Tibet de l'Afrique, oui, bon, enfin, les Gabonais sont avant tout des Gabonais, avant d'être des Tibétains en version africaine, bien sûr. Mais c'est une façon de parler. Donc, le Gabon, de par l'inventivité de ses populations, de par l'aptitude au savoir dont elles font preuve, de par aussi l'aptitude à la liberté, parce que les Gabonais n'ont jamais cessé de lutter pour leur liberté. Ça a pris à l'époque de Mavourou, de Mombé ou de Emmental, donc au 19e siècle, bah, ça prenait la forme de lutte armée contre la pénétration coloniale. Mais plus tard, ça a pris la forme de lutte politique à l'époque de Jean-Hilaire Obama ou à l'époque de Germain Mbah. Mais ils n'ont jamais cessé. Et donc l'ingénierie sociale, la corruption des élites a joué un grand rôle dans le sabotage de ces mouvements, de ces mouvements libérateurs, bien sûr, et puis la répression, forcément aussi. La répression, puisque pendant longtemps, la garde présidentielle était plus puissante, et la garde présidentielle ou garde républicaine était plus puissante que l'armée nationale éparpillée aux quatre coins du territoire. Et donc, est-ce que la situation actuelle va rester en l'état indéfiniment? Bah, évidemment, ce n'est pas à moi de le dire. Ce que je peux simplement dire, c'est que nous avons la faculté d'étudier l'histoire du Gabon d'une façon beaucoup moins classique que ce que cela avait été fait par le passé, sans omettre évidemment d'étudier nos classiques. Je citais par exemple tout à l'heure le livre de donc Nicolas Metegena, donc il a aussi écrit une histoire du Gabon qui est tout à fait édifiante et intéressante. Et puis il faut aussi que nous puissions étudier la possibilité de changer de paradigme et ne pas nous empêcher non plus d'étudier la mentalité française et la spécificité de la culture française qui nous a été imposée et que quelque part nous avons intégrée sans renoncer tout à fait à la nôtre. Mais il faut essayer de rompre avec toute forme de tabou qui nous empêcherait d'y voir clair dans notre avenir aussi bien que dans notre passé.
sans ressentiment, mais sans concession non plus. Et je pense que c'est ainsi qu'on pourra comprendre les choses. Et bien sûr, le Gabon a été victime de l'histoire à un certain moment, simplement parce que son sol regorgeait de richesses incommensurables. Le pétrole, mais avant cela le bois, l'uranium, etc., le manganèse. Évidemment, tout cela a excité toutes les convoitises, sans compter la problématique du sous-peuplement du Gabon, qui rend des possibilités de victoire révolutionnaire très illusoires. L'avenir, nous ne savons pas de quoi il sera fait, mais en tout cas, je tenais à travers cette communication montrer qu'il est nécessaire de pouvoir analyser l'histoire du Gabon d'une autre façon, de façon à y voir plus clair, aussi bien sur notre passé que sur notre avenir. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur des sujets tout aussi brûlants, je l'espère.